insulta le premier. À peine mort sous les coups de son frère, c'est le début d'une histoire qui commence depuis l'Éden. Ève, Adam se sont fait berner par le serpent, le même qui nous mène au déluge. Le 7e mois, le 17e du mois large s'arrête sur les montagnes d'Ararat, Noé, Sem, Cham, Japhet. Découvre un nouveau monde sain où la vie féconde que contient la parabole de Babel. Vint l'oncle de Lot avec la dîme de Melchisedec qui lui dit de ta côte sort des millions. Sodome sous l'emprise de l'obscur s'embrase. Isaac bénit Jacob et ne vit point. Joseph vendu par ses frères aux Égyptiens. Liberté était ses phrases. Prince Moïse, oint instructeur de son peuple, esclave depuis 400 ans. La manne 40 années dans le désert. Jézabel et Élie qui crame sur l'autel. Les faux prophètes Belshazzar qui s'éveille à la force des chiffres 7. Après Esaïe, Jérémie, Ézéchiel, fils de Buzi. Israël reçut l'oracle par le prophète Malachi. Nouvelle ère, le ciel s'obscurcit. Les forces de l'esprit du mal avertis, comme tous de la venue du prince prédit. Dieu suscita le baptiste qui crucifia le factice. Prêcha la repentance de son tactique et mourut d'une injustice. De la main du bourreau d'Hérode, j'annonçais le Christ afin que les écritures s'accomplissent, que l'obscur se dérobe. Gabriel apparut, le doute disparut. L'enfant s'appelle Emmanuel et sa venue sera celle du fait. Loué de toutes les nations, il sera élevé. Jésus le Christ devait en effet camouflé sous les vêtements des pauvres charpentiers. Les démons les cessaient de les pieds. C'était celui dont il était qu'il faut se méfier. Le monde entier était à ses pieds dans le désert. Satan l'attendait. Les mécréants du Sanhédrin complotaient avec Lucifer pour le crucifier. Six pieds sous terre, insufflé. La connaissance grandit, tel grain de sénévé. Atteint ses frères à la Pentecôte jadis dispersé à la suite du baiser du faux frère. Judas intact, le pacte de la nouvelle alliance est survécu par les actes des apôtres. Constanté, la croix entraîna ceux qui manquaient de force, de foi. Institué à la papauté, soumis la masse à l'esclavage. J'écris ces lignes afin que ce fléau disparaisse à tout jamais de la surface de la terre.